On est de retour. On va continuer à construire notre petite base. Donc ça c'est chiant. Nickel. Alors, on avait dit... Ouais, on avait dit qu'on voulait faire ce côté en premier. On devrait peut-être mettre des tourelles. On mettra des tourelles si vraiment ils nous attaquent. Pour l'instant, je voudrais délimiter la base. La base, ce serait bien. Putain, le côté gauche, quoi. Bien. Putain, il y en a deux là. Voilà, j'espère qu'ils vont venir sur ça. Ouais, encore heureux qu'on n'a pas détruit le mur. Du coup, faudrait refermer ici. Parce que sinon, ça va être la merde. Oui, 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 oui. Les ai mis à l'envers. Voilà, pas mal. Allez. Voilà. C'est bon, est-ce que ça va pas bloquer des câbles et tout? Non, mais bon. Alors, nous on voulait bloquer ce terrain là comme ça, je pense. Ouais, je pense que c'est bien comme ça. Danger, an aggressive horde has entered the area. It is less than a minute away. Ils sont déjà là, on approche 30 secondes. Très bien. Crevé. On va s'équiper parce que là je commence à faire de la merde. Puis on a la vague qui arrive. Voilà. Oh merde. Ici, quoi.
Ça, on est que là. Ah non, sur le petit mur, là, ils viennent. Un truc qu'on pourrait faire aussi, c'est ça. Nickel. Je veux un truc qui me plaît pas, comme d'habitude. Bien. Ok, je suis pas étonné encore une fois. Celui-là, il a pas été touché par contre. J'suis en train de me dire qu'il faut juste les mettre autre part en fait, si on veut être tranquille. Celui-là, du coup, on la met pas. 3. Là, c'est nickel. Après, ça, ça a été touché. Putain, c'est quoi ces... Quoi ces machins? Ah, c'est pas les trucs qui prennent de l'électricité, là? Là il était touché mais on va agrandir. Oh putain, on a plus de tuyaux en fait. On va agrandir la zone de toute façon. Donc il n'y a pas vraiment de problème. Ok. Ah nickel. La grosse tête de mort là qu'on voit, je crois que c'est la racine principale. C'est genre si on la détruit, ça va arrêter de proliférer. Mais honnêtement, comme j'ai dit, j'ai peut-être pas envie de la détruire. Puis de toute façon, ça nous servira à rien. Donc, on peut peut-être aller l'analyser par contre. Ça, c'est un truc. Alors, comme j'ai dit. Oh la vache. Bien. Ouais, peut-être avant ça, genre entre ce mur là et l'acide. C'est pas mal, ouais. Comme ça, on a ça de sécurisé, ça ferait 1, 2, 3.
Nickel. Donc comme j'ai dit... Putain, on en a encore un là. Oh là là, j'avais pas vu. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, on est proche de la grosse racine. Ok. Voilà, on fait voir. Genre... C'est un peu la merde hein, cet endroit. Encore une fois, on en revient toujours au même, c'est que... On a du placement d'endroits un peu relou. Genre, je voudrais bien dessiner déjà le... Si on fait comme ça. Comme ça. Ouais, ça serait pas mal. Ouais, pas mal. Faut des portes. Wind is slowing down. The air is getting dense. On s'en fout. It's hard to see anything in this fog. Et si jamais si jamais ça détruit la racine à côté, c'est pas grave. Ça veut dire que c'était obligé. Voilà, nickel. Par contre, je voudrais juste faire un peu plus de murs. Enfin, non, pas plus de murs, mais... du sol, là, un peu plus loin. Nickel. Ouf. Ah, c'est du boulot hein, de faire une base ici, hein, mais honnêtement, c'est fun. Comme j'ai dit, moi j'aime beaucoup. Voilà, nickel. Du carbonium. Donc là on est bon, on a un mur de plus. Là, on va pouvoir extraire ça.
Nickel. Là, pareil. À un moment, on va devoir avoir plus de courant, je crois. Donc il nous faudra, je sais pas, d'autres réserves. Oui, parce que là, on va être à court, en fait. Il nous faudra encore d'autres générateurs. J'en sais rien, en fait. Genre là, le gaz continue à augmenter, on est d'accord. Non, là, ça descend un peu, parce que c'est pas au max. Après, on peut faire un autre endroit comme celui-là, en fait. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu con de... Enfin, on peut mettre... ça, c'est quoi? C'est plus 500. On peut en remettre là, en fait, des générateurs. J'ai envie de dire. J'ai envie de dire... Et les trucs de plantes, on les met autre part. Voilà. Là, on peut mettre des réacteurs de plomb. J'en sais rien en fait. C'est juste. Pour le moment, j'essaye de mettre des trucs que ça fasse joli quoi. C'est vraiment pour ça pour le moment. Ça va jamais s'arrêter. On a combien? C'est pas beau mis comme ça. Oh putain, ça va me rendre fou. Je vais... Là, ça va me gaver parce que là, je fais du... On a... La base, elle est pas du tout finie. Et je fais du détail. Et je commence déjà à faire du détail, là. C'est vraiment pas le bon moment. Donc, bref. On a un mur là, on n'a pas de... Putain, une minute. On n'a pas de tourelle. Je sais même pas si c'est vraiment utile de remettre des petites tourelles. Après, comme je dis, c'est vrai d'avoir plusieurs types de dégâts, c'est bien quoi. On va se quoi, 30 secondes.
Bon, il suffit juste de connecter tout ça après. Ah tiens, la racine elle va sauter parce que... Parce qu'on va activer tout ça, ça va faire que tirer. Hop là, nickel. On est bon. C'est pas mal ces endroits comme ça parce que là ils peuvent pas aller sur le côté donc, et il n'y a pas de mur qui nous bloque en fait. Il y a une explosion. Bon bah du coup là. Du coup la racine a sauté. C'est pas très grave. Alors on a fait donc un mur là, donc il faut fermer. Ouh. Ça descend vite. Je sais pas si on peut corriger ce problème. Je vais refaire encore un truc qui fait... Ah mon dieu, t'es sans déconner. Sans. Sans déconner, je peux pas passer. Va crever quoi, va crever. A small piece of comet has entered the atmosphere very close to our position. It looks like it's coming our way. Quelle merde. The comet will hit the surface soon. We have to investigate it. Faudrait plus de ça en fait. Du coup, comment on fait? On les met à l'envers? Putain, ça m'emmerde. Pas la place.
It's hit the ground. Let's head there quickly and see what we can learn. Le truc, c'est que tant qu'on n'a pas assez de... Bon, faut que je réfléchisse à quoi faire, là. Parce qu'il nous faut... Il nous faut plus d'énergie. Il faut juste créer plus de... Plus de gaz. Donc, faut que j'en rajoute des machins. Mais je voudrais faire ça joliment. Sert à rien en fait d'avoir autant de réserves si c'est pour pas créer assez de gaz. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup... C'est au final, les réserves... On s'en tape un peu. Si ça crée pas assez de gaz, on s'en fout. À la limite, les réserves elles servent à rien dans un sens. J'ai envie de dire. Faut que je prenne l'habitude d'agencer les choses bien en fait. Ah là on va peut-être pas avoir assez de vase du coup. Vase, mais le gaz. On est bon, je crois. Non, on est toujours pas bon. Oh là là, ça me gave. Oh là là, ça me gave d'une force. C'est incroyable. Je suis en train de me prendre la tête. J'ai envie de... Ou de recommencer plus tard, de continuer plus tard, ou de couper la vidéo et de le faire à ma façon. Là du coup, il nous faut plus de vases. Donc là, il faudrait fermer. Plus de vases. Slowly getting dark. It looks like there's a solar eclipse starting right now. Trop cool. Je suis trop heureux. It's totally dark now, in the middle of the day. Fortunately, this shouldn't last long. Hop. Ok. On a ça. Ici, nickel. Voir un peu. Ok, c'est bon, ça remonte. Ça remonte. Hop.
Parce que si on peut connecter tous les trucs de vase en même temps... Et Ok, très bien. Et comment dire? Genre, utiliser seulement bah, les trucs de vase, qui sont genre interconnectés, tout ça. Ça peut être pas mal. Ça nous faciliterait la vie, en fait. Alors là... Galatea's solar system is quite a busy place. It looks like these eclipses may happen more often. Ok, très bien. Il y a là aussi, ça nous ferait un mur de vase en fait. Alors, on fait voir un peu. Hop. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est chiant. J'ai jamais construit comme ça en fait. J'avoue que c'est un peu la galère. Mais enfin c'est un peu la galère, mais dans un sens, ça va donner tellement de vases. On est déjà au max là, constamment en fait. Là je suis sûr qu'on peut mettre un... on peut en mettre deux. Voilà. Ça va être puissant. Voilà. Ah, c'est violent, hein. Je peux pas dire, mais c'est un peu violent, en fait, ce cheminement de machin, là, de vase. Ça, c'est cool, ça. Ok, bon, là, maintenant, ça m'embête un peu moins. On est presque à... au plein ou pas? On a 86K. Non, en tout cas là on est au max. On a assez de vases pour tous les alimenter. Par contre, ça fait pas assez de gaz. Toujours. Parce que ça, ça se remplit pas. Donc on pourrait encore en faire une série. Parce que là, avec toutes les pompes qu'on a ramassées, en théorie, ça devrait être bien quoi. Oh là là. Genre comme ça. Ah putain, ça vient de là quoi. Fait chier. 1, 2, 3. Bon, que 3, ça va. Donc là, ça fait 3 rangées. Très bien. Et là, on aurait une petite réserve... Ah, ça y est, ça monte, ça monte, ça monte. Et là, on aurait une petite réserve de gaz inflammable. Mais on n'en a pas vraiment besoin, honnêtement. Par contre, est-ce qu'on a assez de vase, maintenant? Ouais, la vase reste au max. La vase reste au max. On est à plus 3600 secondes et on en consomme 3300. Nickel. Nickel, nickel. Je crois que je vais relocaliser ça. Autre part,
peut-être tout stuff ici. Et faudrait et une réserve de gaz, je la mettrai autre part. Même une réserve de trucs, on va la mettre autre part. Parce que là, en long, comme ça, c'est pas bien. Mais on va gérer ça. L'attaque me fait chier. L'attaque me fait chier. Ça me bloque pas mal de choses. Je vais peut-être la faire hors, hors vidéo, cette zone. Parce qu'elle est vraiment relou, en fait. Enfin, elle est pas le relou, c'est qu'elle est... Elle, je suis lent. Non, voilà, faut être honnête. C'est moi qui suis lent. Là, j'aime bien ce qu'on a. On a 3 rangées. Très bien. Ça, il faut qu'on enlève. Ça, on enlève. On met tout là. Et après, je vais tirer des tuyaux autre part pour faire des réserves de gaz et tout ça. Donc, ouais. On va se mettre... Putain de merde, on a fait peur. On a qui rentre. Bon, ça va, il y a tellement de couloirs en fait à cause des lacs de vase partout, ça va. Oh mon dieu. Ouh, les munitions. Putain. Les munitions, elles ont grave baissé là d'un coup. Vache. Un peu surpris. Regretter, pas grave, j'ai l'habitude. Je vais attendre que ça se finisse et après on va détruire les autres. Donc là, ce sera notre gestion de puissance. Là, c'est pour transformer le en gaz.
Et après à gauche, on va mettre toutes les centrales. On a combien là? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. 1, 2, 3. Ouais, non, ça va. Ici, là, le chien, là. Casse-toi. Tu veux que je t'analyse, ça? Voilà, on va faire ça. Je vais regretter. C'est pas grave. Alors. Comment on va faire ça? On va faire ça comme ça. On va. Ok, ça va. Voilà, nickel. Ça, on peut en virer. En faire une de plus, une rangée de plus, je veux dire. Très bien. On en a 16. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok, faut démarrer le bordel. On va devoir mettre des trucs de compost là. Une fois que ça sera démarré, ça ira. Ok, très bien. Enfin, quoi que... Oui, non, il y a encore de l'énergie derrière. Ah, c'est parce que ça, c'est pas alimenté, en fait. Tout simplement. Voilà. Il faut qu'elle se termine celle-là. On va voir un peu. Parce que là, le gaz est au max. 3200. Attends, il y a un problème. Oui, il y a un problème.
Ah, fait chier, c'est ce problème-là. C'est pas grave. A small piece of comet has entered the atmosphere very close to our position. Ah. It looks like it's coming our way. C'est bon. Ah, ça m'embête ça, ce truc là. On peut pas bloquer comme ça. En fait. Du coup, c'est moins beau. Toi, t'as pas d'énergie, pourquoi? Parce que t'étais pas connecté. C'est bon. Tout est connecté maintenant. Ah, nickel, 1937 en plus. Donc on est bon. Du gaz inflammable, ça monte. L'énergie, ça monte. La vase, elle est au max. Je peux même en rajouter des trucs. On peut en rajouter 3. On va pas le faire, parce que sinon il faut trouver un emplacement. Donc, très bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, bah ça fonctionne. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup en fait de d'énergie gaspillée. Enfin, c'est moins 5, non, c'est plus que moins 5. C'est 500. Non, j'allais dire, c'est beaucoup d'énergie pour créer du gaz. En fait, non, pas du tout. C'est juste 5 d'énergie par seconde. C'est rien du tout. Là, ça fait plus 500 par seconde. Le truc en fait qui coûte cher, c'est. C'est les IA, du coup. Je sais même pas où on les a foutus, les IA. C'est les IA qui coûtent très cher. Dans 80 secondes. Enfin, quoique, c'est pas énorme. En fait, c'est quoi qui coûte très cher, comme ça? Je sais pas. Ah oui, bah, les trucs pour percer, quoi. Pour récupérer... Ouais. Hop. Nickel. Là aussi on a un problème. Ouais, là aussi on a un problème. Putain, les tubes. Voilà. Peut-être que ça sera mieux là aussi. Voilà, faut pas que ça se connecte les uns aux autres, ça c'est chiant. Ça aurait pas pu être au centre à chaque fois. Au lieu que ça soit sur le côté, ça aurait été bien, hein. Ah, très bien. Voilà, nickel. On va voir si on peut faire une ligne jolie ou pas. Non, on peut pas faire de ligne jolie. Je sais ce que je vais faire, désolé. Bon, cet épisode, on va le finir tôt, hein, je crois. Et je vais faire... Je vais faire de mon côté ce que je veux faire. Parce que là, ça devient un peu ridicule. Ça devient un tout petit peu ridicule. Mais en tout cas, on a des tuyaux. Donc si on veut faire des réserves, on peut tirer du gaz. Et là, on peut tirer la vase. Enfin, la vase, on peut la tirer un peu n'importe où, parce qu'on a des gros tuyaux qui vont un peu n'importe où. Mais le gaz, là, on pourrait faire une réserve de gaz, si on veut. Qu'on va peut-être faire, même, parce qu'ici, il n'y a pas grand-chose, en fait. Et là, de toute façon, on aura plein de place. Donc, ouais, on va faire des trucs cool. Ouais, on va s'arrêter là. Ça sera un épisode un peu court, parce que je fais que des allers-retours, en fait, entre les constructions. C'est pas vraiment bien, c'est pas vraiment intéressant. Donc, une fois que j'aurai fini, c'est peut-être le premier et le dernier que je fais comme ça. Mais là, ça prend trop de temps, en fait. Et puis voilà, on a toujours des attaques de tout le temps, donc ça prend trop de temps, en fait. Donc voilà, et en tout cas, là, je suis content.
gaz inflamme qui est au max. Donc il faudrait faire des... Je me demande si on... qu'est-ce qu'il faudrait faire, des réserves de vase ou des réserves de gaz. J'imagine que des réserves de gaz, c'est mieux. Ça évite les surprises. Genre si jamais on tombe à court de courant. J'imagine. Je me demande si tout est protégé. Non, je pense. Ouais, j'imagine que c'est plus simple de faire des réserves de gaz. Comme ça, ça permet de... Après, il faudra faire des réserves de vase aussi pour en faire de l'eau. Ouais, donc on fera les deux. Je pense qu'on fera les deux. Comme ça, on pourra faire plein de plantes. Voilà, je vais m'arrêter là, moi, avant l'attaque. Je la ferai solo. De toute façon, c'est pas intéressant à regarder, là, en ce moment. Et voilà. Et on se retrouvera, donc, quand j'aurai fini... ce biome là, et une fois qu'on l'aura bien fini, joli et tout ça, je resterai peut-être un épisode dessus histoire de montrer, et encore peut-être genre 20 minutes, puis après on repartira dans une autre zone, et je crois qu'il nous reste plus qu'à faire la ferdonite, à la limite on s'en fout, enfin la ferdonite oui, parce qu'on doit analyser des trucs pour créer des cristaux là, la rhodonite bof. Il y a le DLC. Peut-être qu'on ira faire un peu de DLC, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Il y a l'uranium aussi à prendre. On va peut-être faire le DLC à un moment ou à un autre. Ouais, même les zones de... Nous, on a vraiment fait un truc de con. Hein. C'est le poste d'extraction de palladium, là. Non, c'est où on est, pardon. L'avant-poste 1, il est au max, hein, élevé, quand même. Alors qu'il y en a qui sont élevés, mais pas au max. Vous voyez, c'est élevé, mais pas au max. Donc bon. Ouais, on aurait pu mieux faire. Mais bon, on n'y retournera jamais de toute façon. Comme ça, on n'a pas de problème. L'avant-poste 1, on n'y retournera jamais. On va le laisser comme ça. Ça fait de la végétale, quelques ressources et tout ça. Mais là, ici, sur ce biome-là, ça va être mieux. On fera un truc un peu mieux. On aura déjà plus d'eau grâce à la vase. Et on a plus d'énergie facilement aussi grâce à la vase. Donc voilà. Donc on en profite. À la prochaine. Ciao, ciao.